Avec Evelyne Leclerc, si est allée un peu plus loin. Dans son autobiographie « Dites à mon père que je suis célèbre », paru en 2019 aux éditions HarperCollins, Pierre Palmade se raconte. Sa vie sur scène, son enfance, son attirance pour les hommes et ses liens avec les femmes. Plus à l'aise elle, l'humoriste de 54 ans a vécu avec elle des histoires d'amitié et d'amour, mais aussi des liaisons. Parmi les femmes de sa vie, l'animatrice de tournée Manège. Elle en pinçait pour moi, on ne cesse pas gêné pour vivre une petite histoire. Écrivait l'humoriste. Une relation brève et discrète. Si Pierre Palmade a compris très tôt qu'il était attiré par les hommes, en juin 1995, il prend pour épouse Véronique Sanson. Alors que certains croient à une blague, la chanteuse confie à Paris Match des années plus tard, « Il m'a épaté, il m'a étonné. Mais moi, si j'ai choisi de le suivre, si est-il mon problème ?» C'était l'union de deux solitudes. Point nous avions envie de vivre ensemble, d'être ensemble et de partager. En 2001, les rumeurs sur l'orientation sexuelle de l'humoriste ont pour la première fois raison de leur couple. Supérieur à supérieur à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie et l'union vraiment sacrée entre Pierre Palmade et Véronique Sanson, elle, Mireille Dumas, note de la rédaction, est parvenue à m'arracher le mot bisexuel, raconte l'ami de Michel Larocque au Monde, en avril 2019, en évoquant son passage dans l'émission Vie privée, Vie publique. Tant que je n'étais pas divorcé de Véronique Sanson, je ne voulais pas prononcer ce mot-là pour ne pas salir le mariage. L'union que j'ai eue avec Véronique est vraiment sacrée. Après cette première rupture, Pierre Palmade et Véronique Sanson se retrouvent avant d'officialiser leur divorce en 2004. Tout en étant homo, j'ai rencontré cette femme passionnante, et je me sentais moins seul avec elle. Elle a tout accepté, confiait l'acteur sur le plateau de la boîte à secrets, en octobre dernier. Toujours dans les colonnes du Monde, il analysait sa relation avec les femmes qui n'ont cessé de l'accompagner tout au long de sa vie. Ma mère, ou la vie, m'ont mis dans la tête que les femmes m'aimaient et que j'allais être défiée par les hommes. Donc je n'ai confiance qu'en les femmes, qu'en leur regard. L'homme est un potentiel adversaire, alors que la femme protège, admire, inspire. Des propos faisant écho aux écrits de son livre, je remarque que ce sont toujours des femmes qui m'aiment avant les hommes. De toute façon, ma mère m'a mis dans la tête que je plaisais aux femmes et que les hommes étaient jaloux de moi. Voilà comment je vais affronter la vie. Crédit photo, Jack Tribeca. Just me.